Astuce contre l'insomnie, sel et sucre. Le mélange de sucre et de sel pourrait contrôler les hormones qui produisent le stress et réussir à les stabiliser à un niveau normal pour éviter qu'elles n'interfèrent dans le cycle du sommeil. L'insomnie est un trouble qui provoque des difficultés pour dormir et pour bénéficier d'un sommeil réparateur pendant toute la nuit. Ce problème est considéré comme le trouble le plus fréquent dans la population en général. Il affecte principalement les femmes, les personnes âgées et les personnes qui ont des problèmes psychologiques comme l'anxiété ou la dépression. Les difficultés pour dormir et le manque de repos provoquent un impact négatif sur la vie de la personne qui en souffre. Cela peut finir par déclencher une détérioration sociale, professionnelle voire même dans d'autres sphères importantes. Étant donné les dommages de ce trouble sur la santé physique et mentale, aujourd'hui il existe de nombreux médicaments et traitements qui peuvent aider à combattre l'insomnie pour qu'elle ne soit plus un problème. Cependant, les médicaments commerciaux doivent être consommés uniquement sous la recommandation d'un spécialiste et de manière modérée. La prise de ces médicaments à l'excès ou l'automédication peuvent provoquer des effets secondaires, c'est pour cela que l'une des meilleures options est de recourir à des alternatives naturelles qui, grâce à leurs propriétés, contribuent à améliorer la qualité du sommeil sans causer d'effets nocifs pour la santé. Le remède au sel et au sucre est une astuce très populaire chez les personnes qui ont des problèmes pour dormir. Ceux qui l'ont essayé assurent que c'est une manière très efficace de gagner la bataille contre l'insomnie. En quoi consiste cette astuce au sel et au sucre pour combattre l'insomnie? L'une des causes principales de l'insomnie est le stress physique et émotionnel, car il produit une réaction biochimique qui interfère sur la production des hormones du sommeil. Les niveaux d'hormones du stress augmentent et perturbent le sommeil, ce qui génère cette difficulté à rester endormi ou à avoir un sommeil sans interruption. C'est ici que le sucre et le sel jouent un rôle important, car ces deux ingrédients pourraient exercer un contrôle sur les hormones du stress et les amener à un niveau normal afin qu'elles n'interfèrent pas sur la qualité du sommeil. Dans le livre Manger Chaleur, du chercheur indépendant Matt Stone, cette astuce est mentionnée comme « lors d'une insomnie de 2 à 4 heures du matin, accompagnée d'une sensation d'excès d'adrénaline qui circule par tout le système, pic d'adrénaline à ce moment, le sel et le sucre sous la langue est le seul chemin à suivre. » Sel et sucre pour les insomnies. Aujourd'hui, la majorité des gens sont conscients que les excès de sel et de sucre peuvent être nocifs pour la santé, car ils sont les déclencheurs de nombreuses maladies. Cependant, leur consommation modérée est acceptée à un niveau nutritionnel, car le corps requiert les deux substances en quantité minime. Les bienfaits du mélange de sel et de sucre, bien que le goût ne soit pas très agréable, les bienfaits du mélange de sel et de sucre sont plus qu'efficaces et devraient vous convaincre si vous souffrez d'insomnie. Il renforce le système immunitaire, il aide à diminuer les maux de tête, il augmente les niveau d'énergie, il augmente les niveaux de sérotonine et d'électrolytes, il a des propriétés anti-stress. Recette de cet incroyable remède pour préparer cette astuce contre l'insomnie. Vous aurez besoin de 1 cuillerée de sel marin non raffiné, 5 g, 5 cuillerées de sucre brun, 25 g. Le sucre de canne complet est un ingrédient qui a tendance à se séparer du reste, c'est pourquoi on ne peut l'utiliser seul. La proportion recommandée pour cette recette est d'une petite cuillerée de sel pour 5 cuillerées de sucre, mais si le mélange est trop salé, vous pouvez en réduire la quantité. Comment le consommer? Avant d'aller au lit ou pendant la nuit, mettez une petite quantité du mélange sous la langue et attendez jusqu'à ce qu'il soit totalement dissous. Le mélange restant peut être mis près du lit, à un endroit facilement accessible au milieu de la nuit. Au moment de le consommer, il faut extraire une pincée et tout simplement la mettre sous la langue.